Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Ce soir, une émission spéciale États-Unis. Il y a un an, des centaines de partisans de Donald Trump envahissaient le Capitole et Joe Biden devenait le 46e président des États-Unis. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Notre invitée, c'est l'historienne Sylvie Laurent. Bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Alors c'est incontestablement la phrase du jour, peut-être même de la semaine, dans un entretien au Parisien ce mercredi. Emmanuel Macron affirme qu'il a, je cite, très envie, je cite encore, d'emmerder les non-vaccinés. Ses propos ont été condamnés de toutes parts. Fin 2019, à l'issue d'une année marquée par le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait expliqué, je cite, que l'apaisement toujours doit primer sur l'affrontement. Il y a quelques semaines, il expliquait encore, je cite, avoir appris de ses erreurs. En réalité, cette nouvelle phrase qui fait écho à d'autres provocations pendant son mandat est totalement assumée. Emmanuel Macron y voit un intérêt électoral, surtout évidemment à 3 mois de la présidentielle. Alors ces propos, ils font de toute évidence écho à la lassitude de nombre de Français par rapport à la pandémie, mais ils creusent encore plus la défiance essentielle quand il s'agit de santé publique. Sur Mediapart, édition spéciale à lire ce soir, et notamment le parti pris d'Hélène Salvi, qui s'appelle « Face aux non-vaccinés, Emmanuel Macron invente la déchéance de citoyenneté ». Hélène écrit en assumant d'emmerder les personnes non-vaccinées, mais surtout en expliquant qu'un irresponsable n'est plus un citoyen. Le président de la République garante l'état de droit comme une faute morale, institutionnelle et politique. Il hystérise le débat, divise la société et offre un nouveau souffle à ceux qu'il prétend combattre. Sylvie Laurent, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Dans un instant, on va bien sûr partir avec vous aux États-Unis. Mais d'abord, j'ai une petite question. Ces propos injurieux de Macron sur les non-vaccinés, ils étaient partout ce mercredi dans la presse internationale. C'est pas si fréquent d'ailleurs que des propos d'un président français soient partout dans la presse internationale. Le macronisme, quand il s'exprime de la sorte, est-ce que ça n'a pas un air de trumpisme ? Alors là, vous me prenez à froid. Non, je crois au contraire que le trumpisme consisterait davantage à aller dans le sens des non-vaccinés et de considérer qu'il ne faut en aucun cas leur casser les pieds et que donc, par conséquent, toute politique sanitaire qui viserait à restreindre leur liberté serait illégitime, voire anti-américaine. D'accord. Donc, peut-être sur la forme, une forme des propos très directs, même insultants, mais sur le fond, ce n'est pas pareil. Je ne vois pas trop d'analogie. Voilà. D'accord. Parlons maintenant des États-Unis. Vous êtes historienne, professeure à Sciences Po, également chercheuse à Harvard et Stanford aux États-Unis. Vous avez publié il y a un an ce livre « Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale » aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Sylvie Laurent, vous étiez avec nous d'ailleurs sur ce plateau il y a pile un an quand ça s'est passé. C'était le 6 janvier 2021. Le Capitole, qui abrite le Parlement à Washington, était envahi par des centaines de partisans de Donald Trump. Des manifestants incités à passer à l'acte quelques heures auparavant par Trump lui-même, qui vivait alors ses derniers jours de président. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. And we're going to the Capitol, but we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. Quelques heures plus tard, le Capitole était attaqué. Alors cet événement, il a fasciné le monde entier, traumatisé les États-Unis. 5 personnes, dont un policier du Capitole, sont morts ce jour-là. Quelques jours après, le démocrate Joe Biden, victorieux de l'élection présidentielle de novembre 2020, devenait le 46e président des États-Unis. On this hallowed ground, where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation.
Un mot d'ordre d'unité donc, mais aussi l'annonce de mesures présentées comme très ambitieuses. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there is so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. Sylvie Laurent, on a fait voilà, le rappel des faits. Revenons déjà sur cet envahissement du Capitole il y a un an, le 6 janvier 2021. Les images étaient choquantes, dignes d'un film de science-fiction. Un an après, est-ce que ça a laissé des traces profondes dans la société américaine ? Oui, oui, incontestablement. Ces images, elles sont fascinantes parce qu'à la fois, on les a beaucoup vues et qu'elles ont incarné pour le monde entier, mais en particulier pour les Américains, la rupture, la transgression absolue. Et on se rend compte, en réalité, à mesure que l'on regarde ces images, que l'on ne sait pas très bien ce que l'on regarde et que plus encore, ce que l'on voit cache peut-être encore autre chose. Je m'explique. On voit tous l'image de quelque chose de l'ordre du tabou, de la prise d'assaut du bâtiment suprême de la République américaine. Et on l'a entendu dans les paroles de Joe Biden, il y a eu l'illusion à ce moment-là que l'Amérique pourrait trouver un commun accord derrière cette idée que c'était un acte innommable, inacceptable, et que de la condamnation de cet acte allait naître une forme de réunification. Que, y compris les partisans de Trump, comprendraient après le 6 janvier que là, un cap avait été franchi. Et que même au moment de la guerre civile, lorsque Lincoln a été élu en 1860 et que les 7 premiers États du Sud ont décidé de faire sécession, ils ont accepté le résultat de l'élection. Donc là, il y a eu la croyance que cette transgression-là était celle de trop et que l'unanimité se ferait derrière la condamnation de cet acte. En réalité, on se rend compte que les Américains, en regardant ces images, ne voient pas la même chose. Et on s'en rend compte à mesure que les mois ont passé et qu'aujourd'hui, on leur demande ce qui s'est passé. Pour 70% des Américains, ces images sont le signe que la démocratie américaine est en danger. Mais tous ne pensent pas que le danger vient de la même source. Pour une bonne partie des démocrates, il s'agit d'un danger sur la démocratie, de quelque chose d'inacceptable, parce que Trump et ses partisans ont voulu confisquer l'élection. Mais pour, on le sait aujourd'hui, l'énorme majorité des républicains, ce n'est pas une insurrection, ce n'est pas une émeute, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une transgression. On a vu l'euphémisation au fur et à mesure des mois. C'est à tout le moins une protestation, une manifestation qui aurait mal tourné, et puis ensuite c'est devenu une défense de la démocratie, puis une manifestation patriotique, et aujourd'hui on en parle comme d'une résistance de la liberté. C'est comme ça qu'on en parle. Donc en réalité, les Américains ne voient pas la même chose quand ils regardent ces images. Et enfin, qu'est-ce qui est caché quand on regarde ces images? Ce qui est caché, c'est que le vrai danger de la démocratie américaine, ça n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est que derrière ces centaines d'émeutiers qui font preuve de violence et qui cherchent à confisquer l'élection, il y a en sous-main une conspiration au sein du Parti républicain avec l'entourage de Donald Trump, une tentative de confiscation du vote et de contourner l'élection de Joe Biden. Et c'est ce qu'un an d'enquête parlementaire et du département de la justice a mis au jour. Voilà, donc j'allais le dire, une commission d'enquête a été créée depuis à la Chambre des représentants. Sur Mediapart d'ailleurs, vous pouvez aller voir, Patricia Neves a fait le point sur ses travaux. 700 personnes font aujourd'hui l'objet de poursuites, 350 personnes sont toujours recherchées. Il y a aussi 40 inculpés, notamment dans les groupes suprémacistes. Mais que sait-on, vous en avez un peu parlé, du rôle de Trump, de ses proches, d'autres élus républicains, qui pour certains avaient des liens avec certains de ces groupes suprémacistes? On apprend aujourd'hui que la Maison-Blanche annonce là que Joe Biden va dénoncer la responsabilité, c'est la citation de la Maison-Blanche, de Trump dans l'attaque du Capitole. Alors qu'il dénonce la responsabilité de Trump, c'est un petit peu par la force des choses, même si son statut rend la chose un petit peu délicate. La question, c'est est-ce qu'il en tirera les conséquences, qui est de l'ordre de la démarche pénale, de la mise en cause et du fait que, y compris, il puisse être appelé à témoigner devant la commission parlementaire, puisque je rappelle qu'il n'a pas été impeaché à la suite de ces actes parce que les républicains s'y opposaient. Alors l'enquête parlementaire dans laquelle, je rappelle, il n'y a que deux républicains, dont la vice-présidente de la commission
démission qui est Liz Cheney. C'est une des seules anti-Trump de parti. Exactement. Donc, il n'y a que deux républicains qui soutiennent. On mise au jour un système en réalité de préméditation au plus haut niveau, parmi en particulier les parlementaires du Freedom Caucus, qui est la branche la plus à droite, proche du Tea Party, du Parti républicain à la Chambre. On sait que certains des émeutiers ont échangé des coups de fil, qu'ils ont été introduits dans les locaux par des républicains, que des personnalités de premier plan comme Josh Hawley ou Ted Cruz ont en amont conversé avec le chief of staff Mark Meadows, mais aussi un certain nombre de personnalités de premier plan de l'entourage de Trump pour envisager que Mike Pence puisse refuser la certification et que certains le vice-président de l'époque, parce qu'il a refusé de faire, qui lui a valu répudiation lui aussi, et que donc il y avait tout un système. On a même parlé de façon un petit peu romanesque d'un PowerPoint qu'un ancien militant du Tea Party avait fait parvenir jusqu'au premier entourage de Trump pour donner point par point les différentes étapes. Donc en réalité, la question qui se pose maintenant, c'est au-delà de la piétaille, c'est-à-dire au-delà de l'infanterie de ces centaines de personnes dont on connaît plus les profils désormais, qui sont mis en cause, à quel moment mettra-t-on en cause véritablement ceux qui, on parle de plusieurs centaines de fonctionnaires ou d'élus de la République américaine qui ont participé à cette tentative de ce que certains appellent un coup d'État? Il y a eu une transgression, je vous parlais de coup d'État, avec cette élection peut-être. On a lu ces derniers jours dans The Atlantic un article d'un journaliste qui élaborait un scénario, c'est-à-dire d'une élection qui arrive où finalement, c'est pas le gagnant de l'élection qui gagne, c'est-à-dire que tout le système des grands électeurs est complètement perverti en quelques semaines par une machination de la sorte. Ça veut dire qu'on se pose aujourd'hui ces questions aux États-Unis sur la capacité même de la démocratie américaine dans la chose la plus basique, c'est-à-dire le vote, la désignation du président. À fonctionner. Mais complètement, je vois très bien l'article de Bert Gellman auquel vous faites allusion. Ce qu'il explique en fait, c'est que depuis le 6 janvier, on se concentre sur cette espèce de d'irruption un peu insurrectionnelle, mais qu'en réalité, les élus républicains dans tous les États où cela leur est utile, puisqu'ils sont en minorité démographique, enfin en tout cas que leur constituency démographique réduit, qu'ils ont mis en place par une restriction massive du droit de vote, du vote par avance, de l'ouverture d'un certain nombre de bureaux de vote dans les régions dans lesquelles les démocrates étaient arrivés en tête, qu'ils ont par ailleurs remplacé tous les responsables des États qui ont refusé de recompter ou d'invalider les votes dans les États, etc. Et que donc il y a tout un système qui a été mis en place pour préparer le coup d'après. Et beaucoup de constitutionnalistes s'inquiètent devant ce qui est en réalité un coup d'État au ralenti, une préparation peut-être du prochain coup, qui ne prendra certainement pas la forme de quelques miliciens d'extrême droite habillés en indien cherokee avec des tatouages sur le bras, mais bien plus certainement un républicain, Trump peut-être son fils, puisqu'il est aujourd'hui considéré comme l'une des figures montantes de l'écosystème républicain, sera capable de se maintenir au pouvoir ou de reprendre le pouvoir en étant minoritaire. Rappelons que les institutions déjà le permettent, puisque et le collège électoral et le système sénatorial favorisent des États qui sont démographiquement plus blancs et minoritaires au niveau du chiffre absolu. On va parler de Trump après, mais parlons un peu de son héritage. Aujourd'hui, sous la présidence Biden, et on va venir à Joe Biden après, il continue son héritage de peser très lourd, notamment avec la Cour suprême. Sous le mandat de Trump, grâce à des désignations qu'il a faites, la Cour suprême est désormais à majorité conservatrice. Ça change énormément de choses, à commencer par l'avortement. Aujourd'hui, beaucoup de gens aux États-Unis, mais pas forcément que des démocrates ou pas forcément des gens engagés politiquement, disent que l'avortement, le Roe versus Wade, ce qui a mis en place l'avortement, l'arrêt de la Cour suprême qui a installé l'avortement, la possibilité d'avorter en 1973 aux États-Unis, est clairement menacé. Ah oui, c'est évident, mais d'ailleurs c'est l'ambition d'un certain nombre de juges à cette cour qui, au moment de leurs auditions, disent qu'ils ne feront rien sciemment pour supprimer. En réalité, dans les faits, avec la décision du Texas, c'est déjà ce qui s'est passé. Donc Roe v. Wade, dont vous parlez, c'est en fait une protection fédérale accordée au droit à l'avortement dans tous les États. De fait, puisque le Texas et bientôt tant d'autres États auront le droit d'interdire l'avortement au-delà de 6 semaines, c'est
de facto une interdiction dans certains États de pouvoir avorter. Mais pour faire le lien avec le sujet qu'on évoquait précédemment, évidemment, le corps des femmes reste un point obsessionnel chez les ultra-conservateurs, mais pour la question du droit de vote, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire qu'on attend que le Congrès passe une protection du droit de vote. Il y a deux lois qui sont encore en attente et qui sont bloquées par les Républicains à la Chambre, qui pourraient protéger le droit de vote, mais la Cour suprême, évidemment, sera une institution qui protégera les États républicains, et elle l'a déjà fait par le passé, qui réduisent le droit de vote. Déjà, en 2015, la Cour suprême avait autorisé à ce que des mesures issues du droit de la loi des droits civiques protégeant le vote des minorités soient diminuées, voire très largement amputées. Donc, avec cette Cour suprême-là, si les Républicains continuent à supprimer le droit de vote de ceux qu'ils pensent être comme les votes illégitimes de ce pays, il est à craindre que la Cour suprême les soutienne. Donc ça veut dire, si je vous entends bien, qu'on a à la fois Trump qui reste la référence des Républicains et qui, qu'on le veuille ou non, se positionne déjà comme le candidat naturel des Républicains à la prochaine élection en 2024. 70% des Républicains le souhaitent. Ouais. Voilà. Et on a de l'autre côté un raidissement républicain idéologique très notable dans les États de la base électorale et aussi des responsables politiques du Parti Républicain. Donc le Trumpisme est toujours extrêmement vivace. Oui, certainement. Certainement. On constate en effet une espèce de dérive quasi-féodale dans certains États républicains, hein, qu'il s'agisse de, du contrôle de la nature des enseignements sur la question antiraciste, la question des droits des transgenres, etc. Donc toutes ces questions culturelles font l'objet d'un backlash et d'une réaction absolument virulente. Mais ce qui est le plus frappant, c'est de voir l'évolution de l'opinion des élus comme des militants conservateurs depuis le 6 janvier, dont nous parlions plus tôt. Au lendemain du 6 janvier, on a eu le sentiment, d'où la croyance un peu naïve de gens comme Biden ou de l'opinion publique, que les Républicains auraient une espèce de wake-up call, qu'ils allaient se rendre compte que là, ça avait été trop loin, que le Trumpisme, si c'est une chose, les amenait dans le mur. Et en réalité, la proportion de Républicains qui condamnent ce qui s'est passé n'a cessé de se réduire depuis. Et ce matin, je lisais un sondage tout à fait stupéfiant, il n'y a que 55% des Américains qui pensent que Biden a été légitimement élu. C'est-à-dire qu'au-delà des Républicains qui, à près de 80%, pensent que Biden a été élu par un tour de passe-passe, par une manipulation du vote, ce qui est le symptôme même du Trumpisme, il y a une très large partie des indépendants qui pensent également que cette élection a été volée. Ce qui justifie dans les États républicains de passer ces lois au nom d'une fraude qui n'a jamais existé, mais qui, si vous voulez, entretient ce cercle vicieux. On invente ce que les Américains appellent le big lie, le grand mensonge du vol de l'élection par Joe Biden, pour justifier les restrictions du droit de vote et s'assurer qu'en 2024, on remette Trump et ses sbires en place. Et donc, pendant ce temps, aux manettes du pays, il y a les démocrates et Joe Biden. Joe Biden, 78 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama. Il est président aujourd'hui. Il a la majorité dans les deux chambres du Parlement, ce qui théoriquement devrait lui laisser des marges de manœuvre. Après son élection, Biden a présenté un énorme plan de relance, présenté comme historique. Infrastructure, climat, social, mesures fiscales censées être plus justes. Il s'appelle Build Back Better, BBB, hein, on l'appelle. Biden, je l'ai dit, il a la majorité dans les deux chambres du Parlement. Il voulait le faire. Sa majorité était pour. Pourtant, un an après, c'est encore au point mort. Pourquoi ? Alors déjà, on peut peut-être commencer par dire ce qu'il a réussi à faire, avant de passer donc là. Il a donc réussi des choses, parce qu'on a tendance à dire il n'a pas réussi, il n'a quasiment rien fait. C'est la lecture qu'on peut avoir non, de l'extérieur. Non, c'est faux, et c'est très injuste, et ça ne permet pas justement ensuite d'avoir une critique véritable de ce qu'il n'a pas fait. Donc qu'est-ce qu'il a Il a vacciné plus de 70% des Américains. Et vu l'état sanitaire absolument catastrophique de ce pays, c'est quelque chose. Et le déni de Trump auparavant. Il a réussi quand même à faire passer un plan de financement, donc l'American Rescue Plan et le plan sur les infrastructures, pour un montant de près de 3 trilliards de dollars, ce qui est sans précédent, hein, qui est supérieur à ce qui avait été fait par Obama au moment de la Grande Récession. Donc c'est absolument considérable. Le plan sur les infrastructures, c'est-à-dire que l'État fédéral donne de l'argent aux États et aux collectivités locales pour refaire les routes,
routes, les trains, les gares, les aéroports, qui sont dans un état délabrement que connaît quiconque a été aux États-Unis. Et ça a été voté de façon bipartisane. Et son plan d'aide financière aux Américains, en donnant un chèque concret avec des allocations familiales pour les enfants, etc., a permis tout simplement de sauver des millions d'Américains de la pauvreté. Par ailleurs, il a rejoint les accords de Paris, il a réintroduit une forme de sérénité et de décence dans les rapports politiques. Ensuite, il y a un problème, c'est que Joe Biden a été élu, vous l'avez dit, un homme de plus de 78 ans, comme étant l'incarnation de l'expérience et de la compétence, c'est-à-dire l'antithèse de son prédécesseur. Son prédécesseur est arrivé dans un monde général relativement calme. Le seul chaos venait de lui-même, de son incompétence, des crises perpétuelles qu'il créait, et tous les matins, les Américains se demandaient ce qui se passait. Avec Biden, dont on a choisi un vieil homme, peut-être le plus expérimenté des hommes politiques à disposition à ce moment-là, on espérait que l'expertise et la compétence amènent une restauration du fonctionnement démocratique. Et ça a été une année absolument chaotique du début à la fin, fait de conflits, de tensions, de crises. Et d'une certaine façon, on a tenu rigueur à Biden d'être dans une espèce de posture un peu irénique, consistant à dire on va trouver un accord avec Joe Manchin, voilà. Le gouvernement de Kaboul va tenir, bien sûr, j'en suis certain. L'épidémie est derrière nous, il disait ça avant Omicron. On va y arriver, Joe et moi, nous parlons. Et derrière cette espèce d'incantation à la réconciliation, on se rend compte que le chaos a été permanent et on finit finalement par lui tenir rigueur davantage de ce dont il n'est pas responsable en fin de mandat, c'est-à-dire l'épidémie absolument calamiteuse qui ravage le pays et l'inflation, sans forcément lui rendre crédit de ce qu'il a réussi, à commencer par une situation économique qui n'est pas par ailleurs bonne. Et pour revenir à Build Back Better, là pour le coup, c'était la partie la plus ambitieuse de son programme, c'est-à-dire essayer de faire entrer les États-Unis dans la modernité. Les États-Unis sont le seul pays parmi le Nord global ou les pays de l'OCDE, selon ce que vous voulez dire, qui n'a pas de congé parental, qui n'a pas de congé maladie, qui n'a pas d'allocation familiale ni de système santé universel. Et Joe Biden a compris que pour rétablir la démocratie, il fallait un État fédéral qui fonctionne et donner le sentiment aux Américains que l'État était là non pas pour leur prendre, non pas pour les déposséder, mais pour les aider à vivre mieux. Et donc il s'est engagé sur deux chantiers absolument fondamentaux, que sont le changement climatique et l'adaptation des États-Unis et langue à ce qui est le chaos climatique dont il a été le témoin toute l'année, ainsi que ses compatriotes, et une politique sociale pour inscrire dans la loi pour toujours des mesures sociales telles que le remboursement des soins dentaires, de vision et d'audition pour les personnes âgées, un congé parental pour les femmes qui accouchent, etc. Et il se trouve que sa prétention à être un grand négociateur, un sénateur devant l'éternel, s'est heurtée à la réalité d'un sénateur du nom de Joe Manchin, dont vous allez reparler, justement. Qui voilà. A rendu tout cela impossible. Donc toute l'expertise et toute l'expérience de ce vieux monsieur Biden, finalement, n'a pas davantage sécurisé les Américains que le chaos, l'incohérence, c'est l'incompétence absolue de son prédécesseur. C'est ça la grande chose frustrante et un peu tragique de son nom. Alors on va le voir justement, le fameux Joe Manchin dont vous parlez, c'est un sénateur démocrate, en tout cas dans l'étiquette, de Virginie Occidentale, qui a souvent dit qu'il supportait d'ailleurs Donald Trump. L'archétype du sénateur américain, tel qu'on se l'imagine, hein, vous allez l'écouter, c'était le 19 décembre, Joe Manchin qui, sur ce plan Build Back Better, dit tout simplement non à Joe Biden sur la chaîne conservatrice Fox News. I had my reservations from the beginning when I heard about it 5.5 months ago, and I've been working diligently every day and every minute of every day. I've been working on this, meeting with whether it be the President Biden, whether it be Majority Leader Schumer and his staff, whether it be with Nancy Pelosi. I've always said this, Brett, if I can't go home and explain it to the people of West Virginia, I can't vote for it. And I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there. You're done. This is a no. This is a no. This is a no. Stupeur totale, évidemment, à la Maison Blanche et partout aux États-Unis. Comment on explique qu'un sénateur démocrate comme celui-là, vous allez nous en dire un petit peu plus sur lui d'ailleurs, peut bloquer un plan comme ça, aussi immense, et finalement se retrouve à être celui qui bloque tout ça? Alors, c'est une simple réalité arithmétique, c'est-à-dire que les démocrates, le Sénat comprend 50 sièges, il y a la moitié démocrate et la moitié de républicains, donc pour obtenir le passage d'une voix, il faut avoir tout
tous les sénateurs démocrates qui votent en faveur de la loi. Et il est le sénateur médian, celui dont on sait depuis le début qu'il posera des problèmes parce qu'il a beaucoup voté avec Trump quand Trump était président. On sait que c'est un dissident, comme vous le disiez, un démocrate in name only, hein, seulement de nom. La réalité qui est importante de connaître, c'est que cela fait des mois que le plan Build Back Better, c'est-à-dire ce vaste plan d'aménagement environnemental et d'institutions sociales, est négocié avec Joe Manchin. À l'été dernier, on lui a autorisé la réécriture totale de la partie sur l'environnement. Et le plan a été réduit de moitié dans son amplitude. Il devait faire... Au grand dam d'ailleurs de plein d'activistes, voilà, de la gauche démocrate. Par rapport à ce que, par exemple, Bernie Sanders avait proposé, on a réduit de 50%. On est aujourd'hui à 1,7 trilliard. On a retiré le salaire minimum. On a retiré l'école universelle gratuite pour les enfants du primaire. On a retiré tout ce qui lui semblait inacceptable. Et simplement, Joe Biden est en position de force... sans doute il sent qu'il a... Joe Manchin est en position de force, il a un ascendant incertain sur Joe Biden, mais il faut savoir à qui on a affaire. Joe Manchin est l'élu d'une région, la Virginie de l'Ouest, qui vit des industries fossiles. Il est le sénateur qui reçoit le plus de donations et de subsides, non seulement de l'industrie fossile, il a eu lui-même ainsi que ses enfants une entreprise qui a partie liée avec l'extraction de charbon dans la Virginie de l'Ouest. Il est par ailleurs, ainsi que sa fille, très lié au milieu de Big Pharma et il est tout à fait intéressé à ce qu'il n'y ait pas de mesures de protection sociale universelle puisque la privatisation des assurances touche ses intérêts personnels. Voilà. Donc on est, et c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de tout cela, il y a un problème structurel, une fois encore, dénoncé il y a bien longtemps par Bernie Sanders, qui est le financement des campagnes électorales des sénateurs. C'est quelqu'un qui doit sa carrière et le financement de ses campagnes aux industries privées et on lui demande aujourd'hui de voter pour un plan qui entrerait directement en contradiction avec les intérêts des industries fossiles. Je dois dire par ailleurs sur cette question tellement importante du changement climatique que Biden lui-même est dans une position assez impossible et assez paradoxale pour ne pas dire un peu une certaine duplicité qui est qu'il s'est engagé sur la question du changement climatique, mais que lorsque l'inflation due à, vous le savez, la demande, la reprise de la demande mondiale et l'hyperconsommation des Américains depuis la fin du Covid fait augmenter les prix du pétrole, il demande immédiatement à ce que les forages soient accentués et multipliés au Texas, en Louisiane, mais aussi en offshore, allant en contradiction absolue avec ses engagements climatiques. Donc il y a une partie qui est pour laquelle on peut blâmer Joe Manchin, mais en même temps, Joe Biden, dans cette espèce de confiance et de discours assez, assez angélique sur sa capacité à obtenir des accords, a aussi fait Joe Manchin. C'est-à-dire qu'il y a les institutions... Je vais le gérer, en fait. Il a aussi fait de Joe Manchin depuis des mois en le laissant laissant cette marge de manœuvre. Il en a fait son alter ego et en même temps la créature facile pour pouvoir dire aux progressistes, écoutez, vous voyez, j'ai Joe Manchin sur le dos, n'en demandez pas trop. Une fureur, justement, de la gauche américaine, c'est proche de Bernie Sanders, qui sont proches des activistes. On écoute Ilhan Omar, une des membres de l'aile gauche du Parti démocrate, élue du Minnesota à la Chambre des représentants. Elle étrille ce fameux Joe Manchin. The excuses that he just made, I think, are complete bullshit. It is really disheartening to hear him say that he has been trying to get there for the people of West Virginia, because that's a complete lie. There are just so many things that, you know, the people of West Virginia desperately need. And we know that he is not working on behalf of their interest. And I really am just completely disappointed and disgusted by his reasoning. Donc il y a Nomar qui nous dit que Joe Manchin dit des conneries et que les habitants de son état assez pauvre, hein, de Virginie occidentale, bénéficieraient des mesures de Build Back Better. Globalement, est-ce que la gauche américaine, qui reste marginale, mais qui a grossi ces dernières années, mais reste marginale au Congrès, dans les institutions, a su assez mettre la pression sur Joe Biden ?
Je pense que c'est plus que mettre la pression. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant, les progressistes sont au sein de la Chambre des représentants une force de poids considérable, simplement parce qu'ils ont été déterminants dans l'élection de Joe Biden, y compris ce qu'on appelait le squad. C'est élargi. Il y a maintenant près d'une dizaine de sénateurs et de représentants, pardon, qui appartiennent à cette aile vraiment, vraiment progressiste. Mais pour revenir à ce qu'elle disait sur Joe Manchin, il y a quelque chose d'extrêmement irritant, en effet, à entendre Joe Manchin dire que ce ne serait pas bon pour la Virginie de l'Ouest d'avoir des politiques sociales telles que les allocations familiales qui viennent d'arriver à expiration, quand on sait que son État est l'État qui a parmi les taux de pauvreté infantile les plus élevés de tous les États-Unis et que la Virginie occidentale est aussi l'un des États les plus menacés par le changement climatique. Mais il y a une chose qu'il faut savoir encore sur la Virginie de l'Ouest, et ça nous ramène à notre début de conversation, qui est que la Virginie de l'Ouest a élu, enfin a priorisé et privilégié Donald Trump sur Joe Biden avec près de 20 points d'avance. C'est ça qu'il est en tête, Joe Manchin. Il a près de 20 points d'avance dans son État, c'est-à-dire il est l'élu d'un État dans lequel on appelle Trump de ses voeux. Et donc il est dans un, c'est toujours le spectre de Trump qui est là. Il pense qu'en ayant la posture de celui qui s'oppose à des mesures socialistes, marxistes, insupportables, il pourra gagner sa réélection et rester le notable de Virginie de l'Ouest qu'il est jusqu'à maintenant. Je posais la question sur la gauche américaine parce qu'on le reproche d'ici de là des erreurs tactiques dans la gestion dans l'année qui a précédé. On leur reproche de pas... c'est vrai qu'il y avait un mouvement social sous Trump extrêmement vibrionnant, vivant, et que là, on sent que l'ensemble du mouvement social hésite un petit peu sur l'attitude à adopter. Est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, en termes, voilà, je parlais de la pression tout à l'heure, est-ce que là-dessus, sur la question technique, on leur reproche un certain nombre d'erreurs? Vous n'êtes pas d'accord avec ça, forcément? Alors, on leur a reproché essentiellement d'aller trop loin, d'être trop intransigeant dans les négociations, en particulier sur le cas de Build Back Better. En réalité, rétrospectivement, ils ont eu à peu près raison sur tout. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont dit on ne peut pas séparer les deux grandes lois, celle sur les infrastructures et celle sur les réformes sociales et environnementales, parce que sinon, les républicains et les républicains light comme Joe Manchin voteront l'un et pas l'autre. Il se trouve qu'ils ont eu raison puisqu'on a voté les infrastructures et pas la partie sociale. Par ailleurs, tous ceux qui ont cédé sur leurs ambitions, les seuls qui depuis près d'un an ont accepté de renoncer à ce qu'ils souhaitaient, ce sont les progressistes. Je vous parlais du salaire minimum, je vous parlais de l'université privée, de l'école primaire universelle pour les enfants. Tout cela, ils l'ont abandonné au nom, disait Joe Biden, du fait qu'il faut bien que la loi passe et que même un petit progrès est déjà un progrès. Ensuite, vous parlez des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, ils existent toujours. C'est compliqué avec le Covid, mais les femmes qui luttent pour leur droit à l'avortement sont toujours très mobilisée. La défense des sans-papiers, en particulier dans les centres de détention où le Covid fait des ravages, ils sont toujours aussi mobilisés. Il se trouve que les derniers jugements sur la question de la brutalité policière ont plutôt été justes, puisqu'ils ont condamné les deux meurtriers, les deux policiers, Kim Potter et les quatre de Géorgie. Donc il n'y a pas eu de réaction de colère immédiate. Mais certainement, les militants de l'environnement et les militants du droit des minorités sont toujours là. Pour l'instant, Biden est de bonne volonté, mais il est certain que les représentants progressistes de la Chambre qui parlent au nom des mouvements sociaux ne cesseront pas de parler fort et de parler haut. Toute dernière question, élection de mi-mandat prévue le 8 novembre 2022, un tiers du Sénat, la totalité de la Chambre des représentants renouvelée. Est-ce que les chambres vont basculer dans la main des républicains, finalement arrêtant l'élan de ce début de présidence Biden ? Il est vraisemblable qu'au moins une des chambres revienne aux républicains. Les taux de popularité de Joe Biden sont assez faibles. On lui reproche l'inflation et on lui reproche de ne pas avoir réussi à sortir le pays du Covid. Et par ailleurs, j'y reviens sans vouloir être trop excessif sur ces questions, le redessinage, si ça existe, le charcutage de la carte électorale qui a lieu dans un certain nombre d'États favorise les républicains qui, semble-t-il, pourront gagner ainsi, en plus des restrictions du droit de vote, un certain nombre de sièges. Et puis la loi générale de la vie politique américaine et midterms, on perd, c'est arrivé les fois précédentes. Donc vraisemblablement l'âge d'or
lors de la présidence Biden se terminera, d'où l'importance absolument fondamentale de réussir à faire passer Build Back Better. C'est mal parti, mais c'est mal parti, vous pensez ? Oui, c'est assez mal parti. On envisage le fait de découper la loi en deux, une partie environnement, une partie sociale, en retirant une partie du social pour complaire à Joe Manchin. C'est le verre à moitié vide qui ne satisfera sans doute personne, mais si au moins les démocrates arrivaient au midterms en disant « Regardez, 3 trilliards, on aide les familles et vous avez désormais une sécurité sociale, vous avez désormais un congé parental et un congé maladie, ça va vous changer la vie », c'est-à-dire si on arrive à convaincre, voire à tordre le bras de Joe Manchin sur des choses fondamentales, on peut reconstruire la confiance dans les élus et, ce faisant, refaire un peu la démocratie. Merci beaucoup, Sylvie Laurent, d'être passée par À l'air libre. On se retrouve très vite, j'espère. Vous restez avec moi 2 secondes pour le 24 heures. Jean-Pierre Perrin a pu rencontrer à Paris l'écrivain syrien Mohamed Behrot. Il a échappé à la peine capitale en raison de son jeune âge. C'est l'un des rares rescapés des atroces prisons du régime syrien. Son récit sur Mediapart est glaçant. Attention quand même, les scènes décrites sont assez difficiles à lire. De son côté, Laurent Mauduit a enquêté sur les accords passés par les principaux journaux nationaux et régionaux et même l'agence France Presse. Avec Google et Facebook, les deux géants de l'Internet sont de fait devenus des acteurs majeurs de la presse et ce n'est pas sans danger. Voilà, À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous.